t'as oublié. Non, c'est Batman. Dégage vite de là. Le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Je dois les suivre. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Il faut que je garde la cible en vue et à portée. Mais qu'est-ce que tu fais? T'essayes de nous tuer? C'est Batman! Il faut qu'on se tire d'ici! Où est-ce qu'on va? On rentre à la planque! Non mais ça va pas! Ça le mènera tout droit à Cobblepot! Alors je fais quoi? Contente-toi de rouler! On réussira peut-être à le semer! Je conduis là! Ok, je le vois pas! Tu crois qu'on l'a semé? Qu'est-ce que j'en sais? Continue à regarder! Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer! C'était un épouvantail de s'occuper de cette foutue chauve-souris! Ça vous a suivi? Batman a essayé, mais on lui... Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du parcours. Niveau le cul, le boss va nous parler. Et il aime pas tant, non? Comment ça se fait qu'on soit coincé ici pendant que le boss fait sa réunion? Il veut que l'endroit soit protégé. De qui? De Batman. C'est plus Double Face qui m'inquiète. J'y crois pas à ces conneries d'alliance. Mais je préfère quand même bosser pour Double Face que pour l'épouvantail. Il me fout vraiment les jetons, ce type. Ouais, on m'a dit qu'il avait fait un truc à son visage, un truc bien moche. En ce qui me concerne, j'ai prévu de rester aussi loin de l'épouvantail que possible. Je te suggère d'en faire autant. Ok. Qu'est-ce qui s'est fait au visage, d'après toi? Qui? L'épouvantail. Mais bordel, tu m'écoutes quand je parle ou pas? Ah ouais, excuse, je réfléchissais. À quoi? Un moyen de me tirer d'ici. Regarde un peu, Gotham, la pire ville de toute l'Amérique. C'est pas si mal. Oh arrête, regarde un peu mieux. Tu vois des trucs à sauver là? Si ça tenait qu'à moi, je brûlerais tout et je reprendrais à zéro. Je me tape toujours les boulons pourris. Surveiller un toit, ouais, passionnant. Merci, boss. Non. Putain, mais nique ta race, c'est pas ça que je voulais faire. Par là, il essaie de fuir. Il est parti par là. Je vais monter. Tirez. Hey, venez m'aider, il est en train de s'enfuir. Oh tiens. Sous le sol. Non, sérieux? C'est rien. Je crois que je perds la boule.
succès. Hein, des quoi? Je sais même pas combien de fois j'ai été mis KO et ligoté. Mais là, c'est l'heure de la... Il gagnera pas. Pas ici, pas maintenant. Cette fois, je l'ai pris. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas. Je crois que ça venait de ce côté. Non, mais ça l'a pas tué, putain. On va débusquer ce rat volant. Envoyez les charges. 3, 2, 1. On est encore tous entiers? Rien de détruit. Tout le monde, garde son calme. Ça va aller. Demeurer pour comprendre. Mon Dieu! Putain, c'est où les armes? Non, pas le temps. Ouvre bien l'œil. On n'a pas le droit à l'erreur. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. D'abord l'asile, puis Arkham City, et ce soir, c'est toujours lui qui gagne. Est-ce que tout le monde va bien? Rien ici. Ok les gars, du calme, ça va aller. Thank you.
toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Fais quelque chose, tu me fais un peu lourd. Moi aussi trop. Fais quoi Des jolis billets verts. Ouais, on l'a semé, c'est terminable. Je vous l'avais bien dit, il n'a même pas. Ah, j'adore l'odeur. C'est génial, ça sent bon. Je sais même pas que tu es là. Vas-y. Nom de Dieu, j'adore l'odeur de l'argent. Comme vous le savez, c'est associé aux autres parts aujourd'hui, la chose. Nous en sommes. Je sors ça. Ouais. Mais il faut voir mon côté. C'est mortel. On est carrément pour ça. Comme le pote. Regardez ça. Des jolis petits bifs. Et ils sont tous à moi. Et nos parts alors ? T'inquiète pas. Bon, vous avez d'autres questions stupides du même genre ? Ça, on attend. Ça, c'est pour moi. Ça va directement dans une poche. Cet arrangement avec les épouvantails, c'est du court terme. Le clown est mort, et Batman va bientôt suivre. Batman sera alors un... Je compte bien au refus. Je veux la totale. Bordel, il va me falloir une plus grosse boîte, là. J'existe. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle, la captive. La petite fille chérie du commissaire. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, il sent à lui. Relâche-le ! On va tirer, Batman ! Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les mecs. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. J'ai dû démonter la tête d'un seul... C'est comme ça que tu gères la situation ? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Ah mais non, putain, j'ai changé de perso, putain. Ah!
de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Non, je vais jamais y arriver à prendre cette putain d'armes. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. On doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche les indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés par moi. Espèce de minard. Le moment est venu de lui régler. Compte. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il faut que je ferme la chambre forte pour contenir l'explosion. Je devrais m'éloigner avant de déclencher l'explosion. Ah, c'est bon là. Casse les couilles. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique ? Bien, monsieur. Des ampoules, en fait. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Attends ici, bateau. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ses imbéciles. Je vais y arriver, même si ça fait longtemps. Je suis peut-être un peu rouillé. Prépare-toi à admirer mes techniques de Joker. Ça va être formidable. Ils vont même pas me voir venir. Je vais... Enfin, tu vas voir. Cible aperçue. Sortons par le toit. Tenez vos positions et attendez les ordres. Comment on va se sortir de ce pétrin ? Ne me regarde pas, je ne suis qu'une voix dans ta tête. Si je descends, je serai tué dans la seconde. Il doit y avoir un autre moyen qui m'échappe. Va falloir penser hors du cadre sur ce coup. Forcément un bad gadget pour nous sortir de ce mauvais pas. Un gros gadget, tu sais. Avec des flingues.
faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Est-ce qu'on l'a eu? Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi, t'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé, c'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi, je suis plutôt du genre qu'on va rapprocher. Je sais même plus où il faut aller en fait. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons, PDG de Stad Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur.